Yo, bande de Roger, ici le Matt. Et on se retrouve sur Battlefront. Du moins la bêta. J'espère que vous êtes prêts. Pour cette découverte avec moi-même, parce que je ne l'ai pas encore testé, c'est du tout frais, du tout chaud, du tout nu, hein, pour être honnête. Donc là, ce que je vois, on est avec les rebelles. Au niveau graphisme, pour vous annoncer directement la spec, ce sera du 720 60 fps pour plus de rigolesque. Attendez, on va faire un coup de génie là. Ah ah, coup de génie! Oula oula! YOLO! Ah. Ok. D'accord, bon, comme ça au moins c'est clair. Donc voilà, 720 FPS, du ultra élevé quasiment, enfin ultra élevé, semi-ultra, semi-élevé, j'ai choisi les paramètres que j'aimais le mieux. Ah, il me tire de lance, l'enfoiré. Tiens, hop, je skiffe, tu comprends pas. Eh, oh, putain, ça explose, on stagne. Ok, donc apparemment, on a une jauge, je suis en train de voir. Donc la jauge de vie qui, donc ça baisse quand on tire dessus, ok. Et qui, en fait, c'est une espèce de bouclier à la Borderland. Putain de merde. Qui est une espèce de bouclier à la Borderland. Putain de merde. Ah, ok. Thermal Imploder, le mec m'a implosé, c'est génial. Voilà, j'ai pu prendre en compte le petit test son du coup, sans que vous le voyiez sûrement pas, je sais pas. Alors là, alors hormis cet enfoiré qui va se dépêcher de mourir, non il meurt pas, c'est pas grave. On va se cacher, on va faire comme si on était pour là. Ok. Ah d'accord, alors là c'est netcode.com. Hein. Non, je pense pas que ce soit le netcode, c'est moi qui ai dû mal faire. Donc ça, je sais pas encore comment ça marche. Il y a une grenade ici. Là, je découvre, hein, comme je disais. En tout cas, j'aime bien les graphismes. Hein, c'est assez simple. Ça bouffe pas trop, mais c'est joli. Vous voyez, j'ai un PC depuis 2 ans. Un PC portable avec une... Alors, en termes de config... merde. De config Notepad, bien évidemment. Parce que ça change suivant si vous êtes sur PC portable ou pas. Oh, merde. Donc j'ai une GTX 765, un truc comme ça, M, ou je sais plus le truc qui ressemble. J'ai un processeur i7 octocore avec 2 Go je crois de fréquence, un truc comme ça. 4700 et quelques, je sais plus quoi, enfin bref, c'est pour vous donner une idée pour les connaisseurs, et j'arrive à faire ça à tourner en 720, très bien, très fluide, regardez sa bouche, c'est nickel, il n'y a pas de ralentissement. Donc pour une bêta, je trouve que c'est assez bien équilibré. Alors au niveau du lag, là c'est pas génial. On dirait que... Ah non, ça c'est mon score. La tristesse. Ennemi locking. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des tourelles. Ah, c'est sympa. Bon bah voilà, hein, même quand on se tue, on apprend des choses, hein, vous voyez. On va essayer de faire quelques kills quand même, ou histoire de. Donc on a une grenade avec 1. Alors on va essayer de l'acheter. Il est où ce con? Ok, j'ai vu qu'il y avait des chasseurs de primes. Je sais pas comment ça se débloque, je pense que c'est un peu... c'est au niveau du score sûrement. Ah, bah ce sera pas comme ça que je vais l'avoir. 2-7, ah oui d'accord, bon alors comme ça, hein. C'est plutôt bien. Donc je disais, on va essayer de lancer la grenade, mais il faudrait que ce soit utile, hein, fortiori. Ah oh, oui, on peut jouer comme ça. Ça fait un peu MMO, je trouve ça assez cool pour être honnête. Ça fait un peu... hop, tac, tac, tac. On peut faire... Donc on repasse, là. Oula. Tac, 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 tac. On va s'approcher lentement, mais sûrement. Fils de chien. Alors, au moins, on verra ce que ça fait. Oh. Oh, c'est que j'ai failli faire du génie, en plus. 25 points de vie, donc 75. Au fait, j'ai balancé la grenade un peu au pif. Ça a failli toucher, je crois bien. Failli, je dis bien. Reclaim the pod. Ok, donc il faut rattraper. Donc c'est un espèce de capture de repos. Je viens de me concentrer sur le vif du sujet, hein, pour être honnête. Pour être exact, surtout. Il y a un poteau qui est mort, là. J'espère que la 60 FPS vous plaît. Parce que moi, ça me plaît quand je la vois. Donc ça me fait frétiller dans l'envie. Oula. Oh, putain de merde. Ah! Défaite, voilà, j'ai fait perdre l'équipe, non. Bon, bref. En tout cas, pour une première partie, c'était assez sympa. Donc,
Donc là, c'est... comment ça... Qu'est-ce que j'allais dire? Donc pour l'instant, je crois que je suis en multi. J'ai foncé sur le multi au niveau interface. J'ai pas fait vraiment gaffe. C'est assez joli. Ça change un peu de BF où tu devais passer par, par l'alternet. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Le temps de matchmaking était très court. Donc ça, c'est plutôt agréable. Non, au niveau de la bêta, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. On m'avait dit que ça buggerait un peu. J'ai pas pu vous faire de vidéo avant parce que j'avais pas mon PC. Et je l'ai téléchargé en spi le dernier jour ou l'avant-dernier, suivant. Parce qu'ils ont... Heureusement qu'ils ont rallongé la bêta, parce que sinon je me faisais baiser sur le coup. Et c'est un jeu que j'avais vraiment envie de tester. Jusque-là, voilà. Donc là, ouais, ça va être une première vidéo avec la bande-son du jeu. Donc ça va peut-être copyright. Donc c'est pour ça que la deuxième, je la ferai sans. Et la deuxième sera plutôt condensée. On verra les autres modes, si, avec la coop et tout. Peut-être. Je sais pas s'il y aura des gens qui l'auront DL, donc du groupe. Parce qu'on a fait ça un peu à l'arrache. En plus, on est sur... Il y a quelques trucs importants à faire. Donc voilà, donc je vous passe cette petite scène d'interlude là. Ok, on se retrouve. Alors, on se retrouve avec le petit Stormtrooper. Donc pour l'instant, on voit qu'on peut débloquer des choses en fonction du niveau. Donc je suis niveau 2, on va garder la bombe. Tac, j'ai que ça. Donc de toute façon, voilà, on peut choisir dans quel moment on le choisit. Très bien. L'arme, il faut être niveau 3 pour en débloquer une autre, donc autant dire qu'après je pense que ça me... Ça, donc l'apparence, on peut pas la définir encore dans la bêta, ce qui est cohérent. Et donc je pense qu'on peut se lancer sur manifestement la même map. Bah voilà, hein, manifestement. Il y a peut-être un système d'escouade, j'ai pas vu. Oh putain, elle m'a l'air plus puissante cette arme. Mais plus de recul, donc j'arrive pas encore bien à gérer le recul, surtout que... alors, contrairement à BF, contrairement à CSGO, donc déjà CSGO, les balles sont hyper rapides, BF elles sont un peu plus lentes, mais alors là c'est super lent, mais ça reste toujours moins lent qu'un Shootmania, je devrais pouvoir m'y retrouver, enfin c'est musique, flame, là c'est un peu du tir au lapin, ah, fait chier, je l'ai vu trop tard, j'aurais dû balancer une grenade peut-être, je sais pas si ça marche, je sais pas si on peut tuer les gens, après être mort, faudra qu'on teste. Donc, ah, ça c'est quoi ça? Je sais pas, il y a des ennemis ici? Putain, cette tension, c'est énorme. Non, franchement, l'univers, il est... ça faisait longtemps que j'avais pas passé... Ah ouais, lui, il m'a géré. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une espèce d'univers comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié autant une atmosphère, en fait. Putain, ça nous tire dessus, là? Ah oui, il y a le coup de mêlée, faudra qu'on tue quelqu'un en mêlée si possible. Oh putain, il fait des sons de génie lui, des sauts de génie. Waouh. Alors je sais pas si on peut conduire les vaisseaux ni quoi, ni rien du tout. En tout cas, il y a une ambiance, regardez ce bordel là, c'est énorme, c'est génial. Oh putain, désolé madame, hein, toutes mes condoléances. C'est cool qu'ils aient fait des femmes. On verra bien s'il y a quelqu'un. Je pense que j'ai plus tué un pote qu'un ennemi là, mais c'est pas grave. Bon, là normalement, si je me cache ici, ça aura aller. Je sais pas s'il y a des touches de parcours ou quoi que ce soit. Ok, oula, la petite strafe qui marche un peu, hein, j'ai essayé de strafer vite fait. On va essayer de tirer aussi sans viser pour voir ce que ça donne niveau précision. Le truc à la troisième personne, j'en ai déjà parlé, je sais plus parce que. J'ai fait une intro de vidéo à un moment un peu en test son, quoi, et j'ai dit des choses, je sais pas si je les ai remis ou pas. Ah, ah, fuck. Oh, j'ai touché quelqu'un avec ma grenade, vous avez vu le petit curseur. Fils de chien. Oh putain, mon arme qui rechauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Je suis caché. Ah, fuck. Bien joué. Ah, ils étaient deux. Aïe, je suis un peu plus dans le... Ah, j'ai eu mon kill? Non, j'ai eu des points. Ok, on a perdu le pote de le chien des voisins. Putain, mais t'es où, toi? T'es perdu, mon vieux, hein. Ah, t'es pas si perdu que ça, en fait. Ouais, mais c'est pas rigolo, aussi, si tu me tues de l'autre... Voilà, c'est moi qui me suis... C'est moi qui ai provoqué le... Enfin, il m'a provoqué en duel, je l'ai répondu. Ah, il ne faut pas, voilà. Donc dites-moi aussi si vous avez testé la bêta ou d'après les images que vous pouvez en penser, votre avis. Et puis au passage, du coup, ça fait un bon sujet de communication, votre avis sur le film qui va bientôt sortir, hein, parce que c'est quelque chose qu'ils ont fait. Oh putain. Ah, ah.
D'accord. C'est quelque chose qu'ils ont fait un peu en... Comme on dit. En synchro, on va dire. Le film et le jeu. Donc c'est pour ça que j'attends un peu les deux, quoi. Je sais pas si j'aurai le temps de l'acheter ou quoi que ce soit, mais en tout cas de le tester, ça fait plaisir. C'est histoire de dire, bah au pire, j'aurais pu tester. On veut l'avoir au corps à corps. Non, c'est bon. J'ai eu l'assist, on sait pas. Je sais pas s'il y a un système d'assist. Non, oula, claim. C'est bon, là, là. Oh, bien joué. GG, mon petit. Oulala, là là, attends. Très vilain, lui, mais je crois qu'il y en a un autre qui l'assiste. Ouais, c'est ça. Ah. Ouh, putain. Ça vient d'où, ça? Ouh, putain. Ah. Trop tard, il était là-bas. C'est quoi ce machin? C'est le canon pénis, quoi. C'est rien dire, ça. Ok, très bien. Ah, en tout cas, c'est agréable. Il y en a un autre. Putain, je l'avais vu, mais il fallait d'abord que je tue l'autre, quoi. Putain, 6-8, ça va. Je suis en train de me faire la main, là. Je suis heureux. Ça commence à me plaire, là, pas mal. Est-ce qu'il y a un système d'escouade? Non, on n'irait pas. Est-ce qu'on peut tirer sur les vaisseaux? Faudra tester s'il y en a un qui... Oula. C'est bon, monsieur, je suis dans la zone de combat, ne t'inquiète pas. Alors, faire gaffe aux ennemis, parce que j'en ai vu qu'arriver le... Bah, notamment cette grenade venue d'ailleurs. Là, il y a du monde. Alors, normalement, je crois qu'on est en 7 points. Je sais pas si je vais mettre le son... Non, putain. Mais, t'es sérieux qu'il était à côté, l'autre? En mode, je te bloque, mais c'est pas moi. Donc je sais pas si le son est... on va vérifier tout de suite, vous savez quoi, parce qu'on est des petits fous quand même. Ouais, le son est en 7 points, donc je l'exporterai, si vous avez un casque. Oh, ce vol de kill. J'exporterai en 5 points. Hein. Là, grosse qualité de vidéo aujourd'hui, hein. Là je me fais plaisir. Ouh, il y en a un de l'autre côté. Ok, on se cache. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouah. Bon, je tiens à dire que c'est quand même ma troisième partie, donc je suis un peu à la rue. Pourquoi tu zoomes, couillon? Mais oui, pourquoi tu zoomes? Espèce de con. Surtout que je pouvais avoir l'autre tranquille si j'avais... Ah, putain, voilà, ça c'est le... C'est à ça qu'on reconnaît un bon ou un mauvais... Oh putain, il a implosé. Waouh, il explose. Le... Il est... What? On a un corps perdu. Bon, c'est bon, suicide. Hein. Ah, peut pas? Papi. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Alors, j'ai pas vraiment regardé. Est-ce qu'il y a de la destruction de décors de... Je sais pas, peut-être. Donc, pour l'instant, là, c'est... Ok, donc, on a fait deux parties comme ça. On va peut-être en faire en dernière. Là, ça va être la test un petit peu conséquent, hein, comme je dis, à chaud, à froid. C'est le genre de test que je kiffe pas mal. Surtout que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc là, niveau 3, on va pouvoir s'acheter des trucs. C'est plutôt cool, ça. C'est la découverte de bêta la plus excitante que j'ai faite depuis un moment. Rainbow Six, la dernière fois, m'intéressait pas plus que ça, mais c'était intéressant d'y jouer. En tant que gamer, c'est toujours intéressant d'élargir sa culture jeu vidéoludique. Bien évidemment. Ok. Ok, on est reparti chez les rebelles, c'est bon à savoir. Alors, new card machin, donc je vais gagner des nouvelles cartes. Ah, le Cycle Reef ou le Yon Shot. Alors, je peux pas changer d'arme. Ah si, on peut acheter une nouvelle arme là. Tiens, mais je pense que c'est plus intéressant de... Oh, quoique. Ah non, elle a moins de portée, je préfère les choses qui ont la portée, je suis quelqu'un qui tire de loin. Du coup, on va acheter le Cycle Rifle. Je sais pas vraiment ce que c'est. On va voir. On dirait une espèce de... On sait pas. On sait pas ce que c'est. Voilà, on sait pas. Apparence, c'est bon. Match, je pense qu'on peut rejoindre. On est tout prêt, on est bon. Hop, skip. Ah, et là, on a des partenaires. Ok. Alors, comment marche le Yon Shot, là, ou je sais pas quoi? What? Mais il est perdu, lui! Il vient d'où? Oh, putain. Ah oui, en fait, désolé si mon micro sature, j'ai... Comme je suis en forme, je gueule pas mal. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous agresser, suivant... Enfin, du coup, non. Du coup, si ça sature, ça peut pas vraiment vous agresser, mais... Ok, alors, comment marche ce truc, là? Alors... Oh, putain, mais c'est un sniper, en fait! Ouais, fallait pas déconner quand même.
Oh putain le con. Oh j'ai fait de la merde. Je voulais, j'ai cru qu'il était juste derrière. Ok, donc c'est un putain de sniper. Oh, on va s'amuser avec ça, attendez. Ah, j'ai trouvé une petite occupation. Putain, un vieux sniper à l'ancienne, quoi. C'est énorme, ça. Ouais, incoming, on dirait qu'il nique ta mère, mais bon, c'est pas grave. Oh, comme je suis mort comme une merde. Oh, le mec, il a fait... il était projeté par le laser, il s'est tapé la tête contre le truc, boum. Oh, bon, tant pis. Prends le sniper, maintenant que t'en as besoin. Ça me plairait bien aussi le jetpack, je voulais voir. Je sais pas, je crois qu'il a, ouais, il a 7 secondes de réapparition. Donc ça c'est quoi? Ça c'est un chasseur de primes, ça? Il est avec nous, on dirait. Ah putain, c'est chaud! Putain, surtout que le machin, je sais pas à quelle fréquence ça, c'est... Bon, on va peut-être faire un kill normal parce que je fais n'importe quoi là. Allez, on se reconcentre. Ah mais je peux pas m'empêcher de jouer avec ce truc là. Putain, je change d'arme, j'ai l'habitude de... Oh mais il est sérieux, putain, mais... Ah mais qu'est-ce qu'ils foutent ici aussi, ils ont pas compris. Attendez, bah d'ailleurs, c'est moi qui ai pas compris. On va aller jouer l'objectif un petit peu là, au lieu de faire des kills à la con qui sont pas des kills. C'est Yonala. Oh non. Ah. Putain, mais c'est trop dur, hein. Voilà, hop, tu veux faire des kills, bonjour. Ah bah c'est beaucoup plus simple, hein, comme ça, monsieur. On va te faire foutre, hop. Oh, on va te faire foutre. L'autre, il est pas mort. Monsieur ne meurt pas, hein, c'est... C'est plutôt rigolo, hein. Je suis silencieux. Le silence est d'or, hein, comme on dit. Oh putain, il m'a pas laissé le temps de faire. Johansson 74, un pote de la Haute-Savoie, tiens. Ouais, bon, c'est pas une nouveauté, hein. Je sais pas si vous saviez d'où je venais, mais comme ça, moi, vous savez. Le pays du fromage, comme ils aiment l'appeler. Enfin, le pays. C'est déjà le pays. La France est déjà le pays du fromage, je dirais. Mais là, c'est le. C'est le quartier général pour moi. Mais voilà pourquoi je les aime pas, ces enfoirés. Oh! What? J'ai tué un mec. J'ai vu. Attends. Ah non, j'ai eu l'assist du mec. Du coup, j'étais heureux. Parce que je l'avais bien touché, l'enfoiré là-bas. Et voilà. Et puis, puis je me suis vu mourir, donc... Ah, voilà! Il y a des petites strates comme ça. Par contre, alors, tu crèves, s'il te plaît. Oui, voilà, parce que sinon, ça va être compliqué. C'est bon, elle a déchauffé mon arme, elle est froide. Toi, c'était pas très malin. Alors, par contre, toi... Alors, toi, tu sais que t'es un génie, je crois. Parce que, honnêtement, tu fais des sauts de cabri, tu fais des saltos avant, des saltos arrière, tu fais des... Tu fais ce que tu veux, en fait. Et tu te balades, quoi, c'est juste nickel. Alors la vie, c'est pas génial, on va essayer de tuer les gens pour éviter. Ah, mais les mecs, t'es pas derrière moi, toi. Putain, y'a un mec, j'ai vu son arme me transpercer, quoi. Ah. Il me faut un temps de chauffe sur... Mais Lost, mais arrêtez de le perdre! Putain, on l'a perdu 4 fois le bousin, on va perdre! New pod incoming, putain, je viens de comprendre le jeu aussi, moi. Get 10 kills, ok, bon, très bien, on a eu 10 kills avec ça. Ah, d'accord. Je suis triste. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors... Okay. Pas rester au milieu comme ça, je sais, mais bon. Je peux pas m'empêcher de vouloir tirer avec ce truc là. Mais oui, mais bordel de merde aussi. Non, mais lui, c'est vraiment un génie. Hein.
Bon, en même temps, il a décidé de jouer l'objectif, il a raison, hein, mais... c'est quoi, ça? Oh! Et j'utilise ça comment? D'accord... Je sais pas comment ça s'utilise, je suis en train de regarder mes touches, en fait, là, je... Ah, ah, j'ai bourriné là, j'avoue que j'ai un peu... C'est un peu le dawa dans ma tête. Ah. Ok, on est un peu perdu. Mais comment ça s'utilise ça? Oh merde. Ouais, on a perdu. La la la. On a réussi. Au moins on a pu l'utiliser avant de la fin, c'est plutôt cool. On va essayer d'aller dans le menu, tiens. Hop, quitte... Oh. Yeah, fuck yeah, il est sexy là. On dirait, ouais, il pourrait danser sur du funk, ça choquerait personne. Je suis sûr que ça passerait. Honnêtement, là, c'est catégorie. Ok, alors on se retrouve dans le menu. Donc là, nous on va faire que du multiplayer pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. Donc là on peut pre-order, collect, unlock. D'accord, ok, bon, ça c'est intéressant. J'aime regarder un peu les stats. Bon, bah les stats, très bien, pas disponible dans la tête, c'est très bien. Donc là, on aura pas mal de... Oh putain, ça me donne vraiment envie d'y aller hein, quand je vois ça. Et nous, on va faire du Walker Assault. If you haven't yet, you suggest rank up your gun and link the most IDD in Walker Assault. On va jouer quand même, on s'en fout. Oh, du 20 contre 20, ça va être génial. On était sur du 8 contre 8 jusqu'à maintenant. Donc là, on entre sur la cour des grands.